Donc on s'est aperçu que les patientes avaient un réel besoin d'accompagnement et d'écoute au début de leur prise en charge de leur cancer du sein métastatique, avec un vrai besoin de mieux comprendre le vocabulaire médical, de mieux comprendre leur maladie, leur pathologie et les objectifs de traitement. Et donc le but de notre projet, donc du projet PACOM, c'est d'avoir une évaluation et une prise en charge personnalisée pour les patientes afin de répondre à leurs besoins. Alors, le projet est né d'une étude qui a été faite par le collectif 1310 et le groupe de démocratie sanitaire qui travaille à l'Institut Curie et qui a montré qu'il y avait un réel besoin d'avoir un meilleur accompagnement des patientes au début de leur prise en charge, dans l'entrée dans la maladie métastatique. Et on s'est aperçu qu'un tiers des patientes quasiment n'avaient même pas de deuxième consultation d'annonce afin de reprendre un peu tous les éléments, leurs besoins, être sûres qu'elles aient bien compris les choses. Et donc le but de notre projet, ça a été de mieux définir ces besoins-là pour réfléchir à un meilleur parcours pour les accompagner. Alors, c'est une consultation infirmière qui se passe 2-3 jours après la consultation avec l'oncologue médical. C'est une heure de temps environ. Et la particularité de notre parcours, c'est que ce temps va être un temps d'éducation. Donc, on va faire ce qu'on appelle un bilan éducatif partagé, c'est-à-dire faire le point avec la patiente sur sa compréhension et ses besoins. Ensuite, à la fin de la consultation, on l'oriente vers des consultations de soins de support si nécessaire et surtout vers un atelier d'éducation thérapeutique sur le cancer du sein métastatique. On a fait 25 consultations environ, on a fait 2 ateliers, donc on en aura un par mois à l'Institut Curie. Et on fera le point l'année prochaine, on fera un retour d'expérience des patientes afin d'améliorer notre parcours et d'adapter au mieux en fonction de leurs besoins et de ce qu'elles vont nous retourner.